Bonjour les chéris, d'ici, près de Marboz, en Bourgogne, à Dijon, et de partout, partout. Je suis très, très, très touchée de vos réactions face au vlog, tout nouveau, et ça me fait très plaisir que vous rentriez dans ce nouveau rythme comme ça. Je sais que Chrissa aussi, ça lui fait plaisir. Attends, il y a une voiture, on va la laisser passer. Voilà, il y a une voiture de temps en temps. Vous avez beaucoup, beaucoup réagi. Vous réagissez déjà beaucoup par rapport à la vidéo d'hier soir. Donc, je vais commencer par répondre aux questions. Alors, un Serflex, oui, j'en ai. Mais j'ai pas trop la maîtrise pour le mettre et pour l'enlever. Donc, je préfère encore appuyer sur le robinet pression, quoi. C'est beaucoup plus facile pour moi. Mais si tu veux m'apprendre, il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, par rapport à ce que tu me dis, Denis, pour l'ordinateur, bien sûr, bien sûr. Oui, PC a tout, même peut-être plus, même sûrement plus. De toute façon, tu le dis, je te crois, moi, tu sais, je ne me remets même pas en question ce que tu dis. C'est surtout, j'ai pas envie de changer de chez Mac, parce que maintenant, j'ai l'habitude, je connais bien... Je connais bien Mac. Oui, je connais. Donc, j'ai pas envie de changer, de me mettre sur PC, de devoir réapprendre. Tu sais, les automatismes. Après, je suis pas une pro de chez Pro en informatique. Tu le vois bien. Donc, non, j'ai pas envie d'apprendre de nouveau sur PC, tout transformer, tout transvaser de mon Mac sur un PC. C'est tout. Maintenant, il y a des Mac reconditionnés. Je vais peut-être m'en trouver un. Je vais voir. En rentrant à Bordeaux, je vais voir ce que je vais faire. Mais je vais leur dire ce que je pense de iMovie, parce que j'en ai mais ras-le-bol. Là, je te le dis honnêtement, j'en ai ras-le-bol de iMovie. Je me suis pris Movavi Editor, qui maintenant est sur Mac aussi. Ah, c'est dur de tenir tout le temps la caméra. En parlant de caméra, pourquoi j'ai la peau violette? Alors ça, je n'en sais rien du tout. Je suis désolée, là je suis en train de filmer avec la toute petite caméra que j'avais depuis le tout début de type GoPro. Seulement le son il n'est pas super. La caméra Eagle, c'est Chrissa qui l'a, je lui laisse. Elle fait ses zestes de tourisme, elle fait ses trucs avec. Et quand on est assise côte à côte, je prends mon caméscope. J'utilise beaucoup mon caméscope. Parce que j'ai un micro, j'ai un câble de 6 mètres de long, donc ça donne un son bien. Si je suis violette, bah écoute, je suis désolée, tu as découvert que je suis une extraterrestre, je ne pourrais pas faire grand-chose là-dessus. Bon déjà, à l'origine quand même, tu le vois bien, je suis rouge, hein. J'ai une peau rouge, voilà, hein, c'est pas non plus... Ah, une autre voiture. Ils ont tous décidé de passer ce matin. Question sur la maison, que Chrissa n'a pas de logement. Oui, effectivement, elle a Foxy, mais on va au bout de l'amitié. L'amitié, c'est jusqu'au bout. Oui, j'ai une maison. Oui, j'ai un terrain de 1500 m². Et si jamais il arrive quelque chose à Chrissa, ou s'il m'arrive quelque chose avec l'âge, avec peu importe, hein, il peut arriver n'importe quoi, Chrissa a les clés de la maison. Donc elle peut y rentrer quand elle veut. Voilà, c'est comme si c'était chez elle. Déjà, d'une part, il y a deux chambres, il y a de la place, bien assez pour deux personnes. Et ensuite, le projet est qu'elle s'achète un adéco, tu sais, ces logements hyper modernes à faire poser par une grue, je ne sais plus quoi, sur le terrain. Elle aura largement de quoi faire sur 1500 m² de terrain. Mais dans un premier temps, elle peut très bien aller dans la maison. Oui. C'est jusque-là l'amitié. Effectivement, nous n'avions pas prévu dès le début de voyager tout le temps ensemble. Finalement, on reste ensemble pour le moment. Après tout, je ne sais pas, dans 3 mois, peut-être qu'on se séparera, je ne sais pas. Mais même si on se sépare, ça ne changera pas ma décision. Elle a les clés de la maison, elle a le terrain si jamais elle a besoin ou si elle avait envie demain de mettre un logement pour elle. Ça, c'est l'amitié jusqu'au bout. Bon, allez, j'ai plein de choses à faire. Il faut vraiment que je m'occupe de mon basilic. Ouais, je m'en suis toujours pas occupée.
Dernier petit coup d'œil sur notre chez-nous éphémère. J'adore. Là, mon basilic a bien séché. Il est impeccable. Là, c'est un petit pot de miel que j'avais acheté au tout début de l'aventure. Je l'ai pas mal utilisé parce qu'il faisait froid et le soir, j'aimais bien boire quelque chose de chaud avec un peu de miel. Donc là, je vais l'utiliser. Je vais couper mon basilic dedans, mettre de l'huile d'olive. Il va être impeccable. Hier, j'ai mangé deux tomates avec quelques feuilles de basilic comme ça. Là, maintenant, je vais mettre dans de l'huile d'olive. Enfin, mettre dans l'huile d'olive. C'est vraiment hier, j'ai complètement oublié. Pas si ça t'arrive de le faire ça, mais moi je le fais vraiment à l'ancienne. J'ai des ciseaux exprès pour la cuisine. Je mets mon basilic entier et je le coupe petit à petit comme ça. Même les tiges, hop, je rentre tout là-dedans, un petit bout par là et voilà. J'ai fini de couper et maintenant, hop, de l'huile. Je te garantis qu'en roulant, ça va être bien remué. Là, j'aime bien laisser quelques jours, tu vois, tranquille, pour que le basilic donne bien le goût à l'huile. Nous sommes toujours à Marbeau. Ben, nous on dit Marbeau, mais en fait ici ils disent Marbeau. Ils ne prononcent pas le Z. Est-ce que tu savais ça? Excuse-moi, je regardais un truc sur l'art à Genève. Mais ça c'est la déformation, je pense, bordelaise de prononcer toutes les lettres. Déformation du sud-ouest, ou sud en règle générale. Ouais. Péinac, etc. Et on dit, sur toutes les villes qu'ils ont autour du bassin d'Arcachon, c'est Biganos, Andernos. Mais il y a beaucoup de régions en France où on ne prononce pas la dernière lettre. C'est donc c'est Andernos, c'est Biganos. Oui, donc voilà. C'est Marbeau. Voilà, exactement. Voilà, c'est Marbeau. Bon allez, on va faire un petit tour avec Domino. Et ben, je te laisse à tes occupations. Ben écoute, je regardais ça sur l'art à Genève, qu'il va y avoir une exposition à Genève. Hein? Voilà. Genève, de toute façon, il y a toujours plein de choses. Oui, c'est très c'est une ville assez intéressante. Ouais. Je suis rarement sur Facebook, mais bon. Oh, tu es sur Facebook. Pour une fois, j'ai sur Facebook. Sur ton domaine. Sur mon domaine. Bon, allez, on va faire le tour. Bonne balade. Merci. Domino est là. Domino est très impatiente. On va faire un petit tour. Bonjour, cheval. Tu viens voir le cheval? Viens. Viens là, viens. Regarde là. Oh, c'est beaucoup plus grand que toi, hein? Ouais. Reste ici, Domino, hein? Ils sont beaux, hein? Ils sont jolis. Regarde Domino. Il veut te dire bonjour, viens. Regarde, il veut te dire bonjour. Hein? Ouais, c'est beaucoup plus gros que toi quand même, hein? Regarde, il est gentil.
Regarde, il est gentil, regarde ton minou. Hein? Si tu vas par là, il va te suivre. Tu vois, il va te suivre. Mais oui, il est plus gros que toi. Hein? On lui dit bonjour. Salut toi. Salut mon beau. Ouais, t'es beau toi. Ouais, t'es beau toi. Hein? T'es beau toi. Ouais. Hein? Oh Domino, reste là. Allez, on s'en va. Dis au revoir au cheval. Attention, clac. Voilà. Ouais. Garde tes distances quand même. Hein? Et bien voilà, encore sur la route et encore sur la route. Bon, je suis un peu au sud de Bourg-en-Bresse. Le village, ça s'appelle La Chapelle. Bon, je n'ai pas choisi. Hein? Il n'y a rien de spécial, je veux juste vous raconter une petite rencontre que je viens de faire. Bon, je viens de m'arrêter à un supermarché pour déjà pour faire le plein, pour acheter une bouteille de gaz, du propane parce qu'elle est vide, pour faire quelques courses. Donc j'ai fini de faire le plein pour Foxy et un monsieur assez âgé quand même qui s'arrête à côté de moi. Excusez-moi monsieur, il me dit excusez-moi monsieur. Oui, pardon. Ah, pardon, madame. Alors, il commence à chercher. J'attendais. J'étais déjà assis, donc Foxy, prête à démarrer. Et il commençait à chercher dans ses poches, dans sa voiture, un peu à gauche et à droite. Et là, ça y est, j'ai trouvé. Alors, est-ce que... Oh, j'attends toujours. Il était un peu perdu, le monsieur. Alors, en fait... Il m'a demandé gentiment si je pourrais lui prendre un peu de carburant parce qu'il ne peut pas s'en servir de sa carte bleue. Il ne peut pas payer avec la carte bleue. Raison XY, je m'en fiche quelle raison. Et si je ne pourrais pas lui prendre pour 10 ou 12 euros du 95. Bon, ben oui, mais pourquoi pas. Donc je suis redescendue, il a rattrapé ma carte. Il m'a donné 12 euros, voilà, et je lui fais le plein pour 12 euros. Voilà, très content, je sors mon ticket, il était content, j'ai eu mon argent et ainsi de suite. Alors, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites là, et voilà, les questions habituelles, est-ce que vous habitez ici? Ben non, je dis, mais je viens de très loin, je viens de Bordeaux, la région bordelaise, et je suis juste de passage. Mais alors, qu'est-ce que vient? C'est la première fois que vous venez. J'ai dit non, je suis déjà venu l'année dernière, mais pareil, juste le passage. Mais qu'est-ce que vous venez faire à Bourg-en-Bresse? Ben, je n'étais pas à Bourg-en-Bresse, j'étais à Marbeau, juste à côté. D'accord. Mais est-ce que vous savez, j'ai dit ouais, il y a les poulets, les volailles et tout ça de Bresse, on le sait. Mais est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ces poulets? Non, je n'en sais rien. Je dis, mais ils se baladent à l'extérieur, dehors, au jardin, en pleine nature, sur les champs. Oui, oui, oui. Mais est-ce que vous savez qu'ils ont des pattes bleues? Allons bon, des pattes bleues. Ah ben non, je n'ai aucune idée. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce que les messieurs, ils se moquent de moi gentiment? Ou est-ce que c'est vraiment vrai que les poulets de Bresse ont des pattes bleues? Alors je vous pose la question, est-ce que quelqu'un connaît la réponse? Et si oui, pourquoi les poulets ont des pattes bleues? Moi, honnêtement, j'en ai aucune idée et j'ai pas cherché non plus et il voulait pas me le dire. Il m'a juste dit, ben écoutez, les poulets d'ici, de Bresse, ont des pattes bleues. Bon. La question est posée. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît la réponse? Ça fait longtemps, pas longtemps, quelques jours quand même, qu'on n'a pas vu les montagnes. Et c'est plus du tout la même chose que... Après 30 km, prenez la deuxième sortie. Oui, d'accord, ok. Et c'est plus du tout la même chose que...
les Alpes, en Autriche et en Bavière. Et pourtant, c'est quand même le début des Alpes, là, côté français. Je suis arrivée. Bon, Cassie est contente, ça y est, elle visite le nouvel endroit. Et j'ai pas pu me mettre sur le parking là. Attends, tu vois là. Voilà, c'est le parking réservé au camping-car normalement. Là, il y a une borne de vidange, etc. Et j'ai pas pu parce qu'il y a une banderole, bien sûr. Le voit bien, et j'ai eu de la chance, il y a le monsieur de la commune justement qui était en train de le poser, donc il m'a dit surtout pas parce qu'il y a des forains qui arrivent dès demain matin à 9h, tout le parking est annexé. D'ailleurs il y a un camping-car là, normalement il va devoir sûrement dégager avant 9h demain matin, et j'ai discuté avec un monsieur là parce que du coup je pouvais pas vidanger Coquelicot. J'ai demandé l'autorisation au monsieur de la commune de le faire dans les égouts là parce que le monsieur était très 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 pressé de partir chez lui, il avait fini sa journée. Bon j'ai vidangé là, heureusement que j'utilise pas des produits, c'est les égouts mais ça fait rien quoi, ça la fout mal. Et là le monsieur qui a son bateau, juste là, voilà dans le petit port, il n'était pas content parce que Paris casse régulièrement des fêtes, etc. Donc les pauvres, ils peuvent pas se garer. Donc moi, je me suis mise dans une impasse. Voilà. Un peu sur l'herbe, comme ça, je laisse de la place pour Foxy à côté. Enfin, bien que je lui dise de se mettre à côté de moi. Je me suis pas mise au fond pour pas que qui que ce soit nous empêche de sortir demain. Devant.
Comme ça ou dans le sens? Comme tu veux, mais à côté de moi, il faut qu'aucun véhicule ne puisse venir là. D'accord. Voilà, je t'explique après pourquoi. D'accord. C'est comme la circulation. Oh, je vois ça, ouais. Bon alors, on fait marche arrière. Aïe. Bon, installé à côté de la marina, et pour une fois qu'on voulait aller sur un air de camping-car, sur un vrai air de camping-car, on ne pouvait pas y aller parce que, dis-nous tout, on va tourner tout doucement, voilà. J'ai déjà expliqué. T'as déjà expliqué, ouais. Oui, avant que tu arrives. Bon, ben alors, pas besoin d'expliquer une deuxième fois. Bon, t'as fait une bonne route? Ouais, j'ai fait une bonne route. Sympa, ouais. Et très très joli, je me suis pas arrêtée du tout, j'ai pas filmé, j'avais pas trop envie. Oh. Je regarde les jeunes là qui sont arrivés, je leur expliquais pourquoi il fallait pas se garer sur l'air, etc. On va tourner un tout petit peu parce que à cause du soleil. Voilà. Oh. Oh. La caméra ne souffre plus, maintenant c'est moi. Si je suis encore violette, Denis, garde. Elle est rouge et crevisse. Mais je suis rouge naturellement, donc rouge violette, naturellement, c'est normal. Voilà, violette, en non, plus, mais c'est une couleur que tu aimes bien. C'est surtout qu'il a découvert que j'étais une extraterrestre, c'est surtout ça. Ah, ouais, mais je pensais toujours que les extraterrestres sont verts. Ben moi, je suis violette. Je viens d'une autre planète, moi. Ah, c'est pas le Mars. Moi, je viens... Mais et pourtant, c'est notre planète, Mars. Ouais, ben oui, mais moi, je suis une corneau, quoi. Elle est une martienne déguisée. Bon, on dit au revoir quand même. On dit au revoir quand même. N'oubliez pas d'appuyer sur notification pour être alerté des vidéos. Oui, absolument. Ciao, ciao. Salut tout le monde.